Hey, oh, 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 yeah, yeah, hey, hey, oh, 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 yeah, yeah, hey, hey, oh, 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 après l'orage. Au-delà du désert, enfin je te retrouvais. But why is your love is so far away? That you won't let me in. Don't let them win. To love you that much is my only sin. Leave your hand. What can I do against your will? Hey, oh, 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 yeah, yeah, hey, hey. Oh, oh, yeah. Tu es ma destinée, jamais je ne m'éloignerai. Je possède tous les droits. Je possède tous les droits sur la musique jouée dans ce direct et sur toute la musique qui sera jouée tout au long de ce direct. Voilà. Je suis l'artiste Oshiga, donc propriétaire des droits de la musique qui joue dans mon direct. Vous pouvez trouver mes chansons sur toutes les plateformes de téléchargement légal, mes clips sur ma chaîne AfriTube, dont normalement le lien s'affiche normalement. Voilà. Bon, hein, framponné. Vous dites que le sujet c'est quoi? Parce que franchement, les histoires des sans caleçon des gens, moi je n'aime pas trop entrer dedans. Mais je me rends compte que cette histoire, ce n'est pas juste une histoire de sans caleçon. Donc, comme c'est arrivé sur la CCI, la Cour commune internationale. Donnez-moi le crédit avant de copier, parce qu'on vous connaît. Si vous connaissez copier les choses des gens. Le CCI, bienvenue au CCI. Ici là, c'est la Cour commune internationale, le CCI. Quand ça vient, quand ça se retrouve ici là, nous on traite ça au CCI. Voilà. Je baisse un peu le volume. Tout le monde où j'allais. Merci pour les cœurs. Si vous n'arrivez pas à envoyer les étoiles, il y a le lien PayPal. Voilà, parce que beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'arrivent pas souvent à m'envoyer des étoiles et qui aimeraient me soutenir. Donc, pour ceux qui n'y arrivent pas, mon lien PayPal est là. Venez vous abonner à ma chaîne, hein, ma chaîne de musique AfriTube. Ma chaîne YouTube sera le relais des directs que je fais ici. Oui, parce que maintenant, on va bien structurer les choses. Donc, les directs que je fais par rapport aux différents thèmes que je fais, les vidéos, vu qu'elles sont souvent supprimées ici, je les relayerai sur YouTube et aussi sur AfriTube quand même. Mais mes clips, c'est sur AfriTube. Si je peux gagner l'argent sur YouTube avec les Toli, pourquoi ils vont refuser? Enfin, j'ai vu beaucoup venir me dire là que, oh, tu n'as pas dit que AfriTube, je vous ai dit que j'avais quitté YouTube. Je vous ai déjà demandé de quitter YouTube. Je vous ai demandé de quitter Facebook. Jamais. Je vous ai dit de consommer aussi chez vous. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc maintenant que ça a été dit, continuons. Donc, je disais tout à l'heure dans mon post, que moi, je me fiche de l'orientation sexuelle des gens. Je réitère, je me fiche complètement de l'orientation sexuelle des gens. Merci Julius pour les étoiles. Je me fiche de l'orientation sexuelle des gens pour la simple et bonne raison que ce qu'ils font dans leur chambre n'affecte en rien leur travail.
leur cœur, donc la personne qu'elles sont, les personnes qu'elles sont, leur orientation sexuelle n'affecte en rien leur cœur, leur personnalité, leurs actions. Ça n'a aucune influence là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es homosexuel ou hétérosexuel que tu seras généreux ou pas. Ce n'est pas parce que tu es homo ou hétéro que tu seras juste ou pas. Ce n'est pas pour ça que tu seras compétent ou pas. Ça ne justifie de rien. Ça ne te rend pas plus beau, plus laid que quelqu'un d'autre. Ça ne te rend pas plus intelligent ou plus bête que quelqu'un d'autre. En fait, ça n'a aucune espèce d'incidence. Ton orientation sexuelle sur la personne que tu es. Donc, moi, c'est pour ça que ça n'a pas d'importance pour moi, l'orientation sexuelle des gens. J'ai fait ce post-là, on est venu me fustiger parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Les gens aimeraient que toi, tu sois leur porte-parole. Mais moi, je suis un. Je ne peux pas me diviser, en fait. On est maintenant 23 000 ici. Félicitations à nous. On était 22 000. Aujourd'hui, on est arrivé à 23 000. Donc, félicitations à nous. C'est notre travail à tous. C'est vos partages, vos likes, vos commentaires qui font diffuser ma page. Donc, on est 23 000 ici. Je ne peux pas me diviser en 23 000 pour porter la parole de chacun d'entre vous. Donc, je porte moi ma parole, ce que je tire d'un phénomène qui se passe, d'un phénomène qui arrive sur la CCI, Cour commune internationale. D'accord? Donc, moi, j'ai pris cet angle-là d'abord. Pourquoi? Parce que quand j'observe les gens, c'est tout ce qui les intéresse. Quand je regarde sur Internet, les commentaires, les gens ne s'intéressent pas au trafic d'influence. Les gens ne s'intéressent pas au chantage. Les gens ne s'intéressent pas à la divulgation des images intimes. Les gens s'intéressent au fait que les actes sexuels posés, donc moi, je ne suis pas là pour suivre ce que tout le monde suit ou bien pour suivre ce que vous individuellement voudriez que je suive. Et moi, ma voix alors, qui porte ma voix? Je porte d'abord ma voix avant de voir si ça colle avec certaines de vos voix ou beaucoup de vos voix, c'est tant mieux. Mais je porte d'abord ma vision à moi. On m'a dit que oh, c'est parce que tu dois être lesbienne, tu dois être bisexuelle. Même si je l'étais, je vis dans un pays où c'est autorisé. J'ai à me justifier de mon orientation. Donc, quand je viens pour fustiger ce que Martin Camus a fait, c'est parce que moi, on m'a fait ça. Hein? Quand je viens ici défendre des causes, c'est parce que je les ai vécues forcément. C'est quoi le rapport? Parce que vous voulez obliger les gens à parler comme ça vous arrange, à aller dans votre sens. Je ne vais jamais me fatiguer de vous le dire que je suis là pour porter d'abord ma parole, ma vision à moi. Elle est prioritaire sur celle des autres. À mes yeux, hein, bien sûr. Parce que les gens ont tendance à... Je ne suis pas rentrée dans les détails de cette affaire parce qu'au départ, je croyais que ça se limitait à une histoire de sang caleçon. Et comme vous savez, les histoires de sang caleçon des gens, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi-même, je n'ai pas fini avec ma part. Vous voyez, non? Donc, pour venir parler pour les autres, là, vraiment, c'est trop long. Je suis trop nombriliste. Je m'aime trop pour venir parler des autres. J'ai trop à dire sur moi-même d'abord. Vous voyez, non? Donc, pour tous ceux qui aiment le voyeurisme, ceux qui aiment regarder, je vous invite sur ma page OnlyFans. Venez payer, vous regardez. Là-bas, c'est une job. Là-bas, c'est pas divulgué. Moi-même, je prends ça et je vends. Parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc, je vois l'opportunité, je la saisis. Comme c'est ça qui tape, qui fait, je vois. Parce que j'ai vu beaucoup de gars, même les gars disent que merde, les vidéos que j'ai vues là, moi-même, ça m'a fait un genre. Moi-même, ça va. Hé, arrêtez le genre. Mon lien OnlyFans est en description. Allez payer l'abonnement, vous venez regarder. Parce que je suis belle. J'aime mon corps, je me trouve belle. Donc, je trouve que c'est dommage de garder toute cette beauté-là pour moi. Donc, je la partage. Ah, voilà. En échange de ce qui va m'aider à réaliser mes projets, réaliser ma musique, réaliser mes clips. Si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas.
Vous êtes beaucoup ici à faire genre. Alors que vous pratiquez tout ce qu'on voit là. Mm-hmm. Beaucoup de vos maris dans vos maisons là sont des homosexuels refoulés. Donc moi, je fais mon direct pour vous dire quoi? Que ce qui nous arrive, nous le méritons. Quand tu regardes une page d'info qui donne souvent l'actualité du pays, les choses importantes pour notre vie, notre évolution, notre santé, notre bien-être, les likes peinent. Il n'y a pas les likes, il n'y a pas les partages, il n'y a pas les commentaires, rien. On a parlé du sang caleçon de la footballeuse. Tout le monde est sorti. Dit calo, le quartier est sorti. They don't come out, they don't come out, they don't come out, mm-hmm. They don't come out from homes. Mm-hmm. C'est drama day. Qu'il y a à faire encore? Il y a le sang caleçon quelque part. Allons-y. Allons trouper. Il y a le sang caleçon quelque part. On va crucifier qui? Est-ce que les relations sexuelles de cette dame influencent quelque chose dans nos vies? Est-ce que ça influence? Merci Léonard. Moi aussi, je vous aime. Il n'y a que les hypocrites qui ne m'aiment pas. Il n'y a que les faux culs, les gens qui ne s'assument pas. Qui ne vont pas m'aimer parce qu'ils aimeraient assumer ce que moi j'assume. Mais ils n'ont pas cœur. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est une question d'éveil. Quand tu es suffisamment éveillé, conscient de ce que tu es, de qui tu es, et surtout conscient de là où tu veux aller, tu ne perds pas ton temps à regarder ceux qui font le bruit à côté. Je ne gère pas. Chacun son business. Vous respectez tous Madonna aujourd'hui, non? Elle a fait comment pour arriver où elle est là? Je suis majeure et vaccinée. Donc, vous qui êtes toujours en train de dire que ce n'est pas un exemple pour la jeunesse, tel n'est pas un exemple pour la jeunesse, c'est vous qui êtes en train de partager les vidéos là partout, non? Est-ce qu'elles sont venues prendre leurs vidéos pour mettre dans les téléphones de vos enfants? Non. C'est vous qui faites le choix de partager ça partout. Vous qui faites semblant de fustiger, bah, tu fustiges et tu partages. Donc, tu ouvres encore, tu diffuses. Les bonnes choses qu'il y a à diffuser, vous ne le faites pas. Les trucs que vous-même vous dites que ce n'est pas bon, c'est ça que vous diffusez partout, partout, partout. Vous venez dire après que c'est quel exemple que vous donnez à nos enfants, c'est quel exemple que vous donnez à la jeunesse. Mais c'est toi qui partages. C'est vous qui partagez. Moi, quand je viens me placer ici devant la jeunesse, je leur dis ceci, je suis une grande fille, je suis majeure et vaccinée, j'ai fini de faire mes enfants. D'accord? J'ai envie de vendre l'objet d'art que je suis, les images de l'objet d'art que je suis. Je les vends dans un espace où les enfants n'ont pas accès. Quand vous passez devant la rue, comment on appelle ça? L'hôtel de ville. Vos enfants ne voient pas les wakas là-bas. Vous pensez que vous pouvez cacher à vos enfants ce qui existe sur terre? Vous ne pouvez pas leur cacher. Éduquez vos enfants. Donnez à manger à vos enfants. Quand vous sortez du travail, rentrez chez vous, au lieu d'aller vous asseoir au bar pour chercher les petites filles et venir maintenant commenter sur Internet. Vraiment, les petites filles d'aujourd'hui, ce sont les mêmes petites filles que vous partez détourner au bar pour le ping-pong booster. C'est de ça que moi, je suis venue parler aujourd'hui. Si vous pensiez que je vais venir là pour critiquer, les juger, les fustiger. Vous avez tapé à côté. Vous avez tiré dans l'eau, comme on dit. Ça ne me regarde pas ce qu'elles font de leur vie privée. Ça ne me regarde pas. Maintenant, le trafic d'influence. Ça aussi, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Tout le monde sait que ça existe. Ça a chauffé ici, là, pour Eto était sorti. Vous avez fait quoi? Pour Eto était sorti ici avec Nathalie, quoi? Vous avez fait quoi? Moi, on m'a envoyé la vidéo, hein. On me l'a envoyée. Mais je ne vais pas la partager parce que je ne vois pas quel intérêt. J'ai fait ça pourquoi? Je n'ai pas demandé la vidéo là. Je n'ai pas demandé. On m'a envoyé. Parce que quand c'est comme ça, là, tu n'as pas besoin de demander. On te donne ça, genre. Mais les bons trucs là, ce qui peut t'aider à grandir dans ta vie là, personne ne va venir te donner ça inbox. Tes trucs même que tu partages, que tout le jour, que l'effort que vous faites pour venir m'envoyer les bêtises là, prenez l'effort là pour partager moi mes vidéos chez les gens. Oui,
Parce que mes vidéos sont instructives. Il y a quand même un peu quelque chose que quelqu'un peut tirer dedans. Toujours. Toujours. Donc, vous êtes tous des hypocrites. C'est ce que je suis venue vous dire. Vous êtes tous des hypocrites. Parce que c'est vous qui partagez ces vidéos. Donc, ne venez pas nous dire que, oh là, le pays est gâté, la jeunesse est gâtée. C'est vous le pays. Tout ça, c'est toujours vous. La jeunesse, là, c'est toujours vous. C'est vous les papas qui ramassez les jeunes filles dans les bars parce qu'elles ont faim. C'est parce que pour vous ne sort pas parce que vous êtes pauvres. C'est ça? Ça va sortir pourquoi? Allez vous mélanger avec les riches. Là, vous allez lire. Ça va sortir. Entre nous, les pauvres, là, ça ne sort pas pourquoi? Ça sort même, mais ça ne fait pas le bruit. Ça reste entre nous au quartier. Ça ne fait pas le bruit. Moi, maman m'a menacé de sortir mes photos. Oui. Ça m'a fait rire jusqu'à hier, rire jusqu'à me taper au sol. Je sais que maman, elle vend ça. C'était une femme comme moi. Maman, je vends ça. Donc, va sortir. Ça va me faire la publicité. Les gens vont venir encore acheter. Oui. Moi, la personne ne peut me menacer un jour avec ce genre de truc que oh, j'ai tes photos, j'ai tes vidéos nues, j'ai tes ceci. C'est naturel. Je suis sortie du ventre de ma mère sans caleçon. Et quand je suis sortie, tous les médecins qui étaient là ont vu mon toutou. Ils ont vu mon way. Et quand elle est partie, ça va pourrir. Je ne pars pas avec. Donc ça là. Et je suis belle. Donc c'est un plaisir pour les yeux. Pourquoi elle a pleuré? Pourquoi elle a pleuré? Moi, je répète, la seule partie qui me touche dans cette histoire, c'est la partie où là, j'ai écouté un voice, mais je ne suis pas sûre. Et moi, je n'aime pas parler les choses dont je ne suis pas sûre. Vous voyez, non, parce que je fais attention à moi. Merci, Dani. Dani, dis-moi comment je peux faire ça, diffuser mes lives simultanément sur Facebook et YouTube. Tu peux venir même inbox m'expliquer. Parce que si c'est avec mon deuxième téléphone, je vois les gens faire ça. Mais moi, je n'ai que deux téléphones et je l'utilise pour jouer la musique. J'ai aussi mon ordinateur, certes, mais mon ordinateur, je ne peux pas le mettre à la même hauteur. Je vais trouver une solution. S'il y a un logiciel, une application qui permet de faire ça, envoie-moi ça eBay, s'il te plaît. Sinon, tu as raison, je vais essayer maintenant d'organiser ça, mettre mon ordinateur pour faire un direct en même temps simultané. Oui, on cherche l'argent maintenant. Je cherche l'argent, je dois réaliser mes clips. Et comme moi, je ne peux pas aller dormir avec les ministres, je ne peux pas aller dormir avec les footballeurs, j'en ai connu des footballeurs. Beaucoup de mes copines sont sorties avec les footballeurs. Je ne suis jamais sortie avec eux pour la simple et bonne raison que j'ai horreur d'être chosifiée. Donc les filles, on a vu l'exemple ici, avec l'affaire de Tofis et Nathalie, quoi, vous n'avez rien retenu. Vous pensez que les femmes sont différentes? Nous, les femmes, nous sommes encore pires. Nous sommes encore pires parce qu'une femme blessée, c'est un démon relâché. Une femme blessée, c'est un petit Satan qui est en liberté. Là, elle se balade et cherche ce qui va verser ça. Vous n'avez pas compris que quand on sort avec les personnes qui sont puissantes, on devient leurs choses, leurs objets. On doit vous faire les directs combien de fois pour que vous compreniez ça? On doit vous dire combien de fois que le but d'une vie, ça ne peut pas être chercher l'argent. Le but d'une vie, ça ne peut pas être l'argent. Or, si ton but, c'est l'argent, tout le monde va t'acheter. Tout le monde va faire de toi ce qu'il veut. Si ton but dans la vie, c'est l'argent, ça veut dire que ta vie même n'a aucune valeur. C'est l'argent. Ça veut dire que l'argent est ton maître. Et quand l'argent est ton maître, tu deviens la proie de ce genre de personnes. Tu deviens la proie des pervers narcissiques, oui. Parce que beaucoup de pervers narcissiques ont l'argent et utilisent leur argent, justement, pour appliquer leur autorité, tout leur truc là sur la personne. Ils vont chercher des personnes fragiles. Parce que les personnes qui ont faim sont des personnes fragiles, prêtes à tout pour remplir leurs pensées. C'est ces personnes-là qui vont vous livrer leur fille, qui vont vous livrer leur fils. C'est ces mamans-là qui sont en foyer avec des hommes qui violent leur fille et qui ne disent rien. Moi, je n'aime pas parler des choses. J'aime parler du fond du problème. Et le fond de ce problème sont nos mœurs. Le fond de ce problème, ce sont nos mœurs. Parce que le problème, encore une fois, pour moi, ce n'est pas au niveau de leur sexualité. Moi, je n'en ai rien à cirer.
Même si c'était un homme et une femme, le problème resterait le même. Le pouvoir que les gens qui ont l'argent appliquent sur ceux qui n'ont pas l'argent au pays, sur ceux qui ont faim. C'est ça le problème en réalité. C'est ça le véritable problème, l'esclavage moderne. L'esclavage sexuel que nos petites sœurs vivent là-bas en Afrique à cause de la faim. C'est ça le problème. Et ça, c'est à vous les parents de gérer ça. C'est-à-dire en vous débrouillant premièrement pour donner le minimum à vos enfants. Et deux, en éduquant vos enfants avec des valeurs, pas avec les images des influenceuses qui leur font croire qu'il faut avoir un joli sac pour avoir de la valeur. Il faut voyager en première classe pour avoir de la valeur. Il faut avoir un gars qui est, un gars qui s'appelle, un gars qui est pour avoir de la valeur. C'est là-bas que vous avez échoué. Et parce que dans les familles même, quand une fille ramène un gars, on regarde, il fait quoi? Il a l'argent, il a ceci. Et si le gars a l'argent, la fille maintenant, la famille, c'est la famille elle-même qui te ferme ta bouche quand il parle. Il tape au, tu supportes, il fait... C'est ça le nœud de notre problème. Si les gens n'étaient pas autant omnibulés et esclaves de l'argent, on ne pourrait pas faire de ces jeunes filles ce qu'on fait là. Parce que là, là, vous traitez les conséquences, vous ne traitez pas les causes. Vous ne traitez pas les causes. Vous allez enfermer Martin Camus. Il y a plein de Martin Camus comme ça au Cameroun. Ils sont versés. Voilà la version en femme, non? Voilà la version en femme. Je ne veux pas m'avancer parce que comme je dis, moi, je fais attention. Oui. Je ne vais pas me retrouver en cellule parce que j'ai dit des trucs que je ne maîtrise pas. Arrêtez de traiter les conséquences. Traitez les causes. Parce que dans tous les pays, il y a les footballeurs. Dans tous les pays, il y a les ministres riches. Il y a les hommes d'affaires. Il y a les femmes et il y a les pauvres. Même en France, il y a la pauvreté. Même en France, il y a la prostitution. Même en France, il y a le trafic d'influence. Même en France, il y a toutes les pratiques bizarres là. Il y a tout ça. C'est plus contrôlé ici. Parce que ici, le système est fait de telle sorte que un enfant ne peut pas avoir faim ici. Un enfant ne peut pas, une fille de 14 ans ne peut pas être responsable elle-même de son ventre dans le pays ici. Chez nous, c'est ça. Chez nous, dès que ta fille a les fesses et les seins, tu lui dis que tu es une femme, non? Ce que dit là, vous reconnaissez ces paroles. Tu es une femme, non? Va te chercher. Tu es une femme, non? Quand elle passe chercher, tu vois qu'elle arrive déjà un peu à manger. Maintenant, la mère, le père exige qu'elle cherche aussi pour payer la pension du petit frère. Voilà comment ces filles se retrouvent à aller dormir avec des gens avec qui elles n'auraient jamais dormi. Parce qu'il faut montrer au quartier, il faut assurer le rythme de vie. Il faut ressembler à Coco Emilia. Il faut ressembler à Emma Louès. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Non, chacun vit sa vie. Mais je vous dis donc, d'où vient le problème? Le problème vient du fait que nos jeunes aujourd'hui ont perdu les repères. Parce que les parents ne parlent pas avec leurs enfants. Les parents laissent la télé, les réseaux sociaux, Zuckerberg, Google, leur dit comment ils doivent être, quel type de personne ils doivent devenir pour avoir de la valeur aux yeux de la société. Il faut que tu aies le dernier, la dernière chaussure de Kanye West. Il faut que tu aies la dernière sortie de Beyoncé. Mais tu n'as pas l'argent, donc tu vas faire comment? Tu vas aller voler, tu vas aller te prostituer, tu vas aller te faire partouzer à gauche, à droite, faire des vidéos, faire des choses même que tu n'aurais jamais aimées. Juste parce que tu veux ressembler à quelqu'un. Ce n'est pas ton rêve à toi. Hein. C'est que la société t'a montré que c'est ce genre de personne-là qui est valorisé. Donc, pour être valorisé aussi, tu veux leur ressembler. C'est notre faute à nous tous. C'est notre faute à nous tous. Parce que vous allez accuser que Gaëlle est montée, elle est descendue. Elle a vu une proie facile. Elle l'a saisie. C'est tout. Tout comme quand les petites filles arrivent aussi, elles voient quelqu'un qui a l'argent, elles disent que voilà mon mougou, voilà mon bout. C'est ça, non? Tout le monde est devenu la proie de tout le monde. L'un calcule l'argent, l'autre calcule ses pratiques. Que je vais t'emmener à tel endroit, ça va m'ouvrir les portes. On va me donner tel marché. Parce que c'est ça notre monde aujourd'hui.
Les grosses affaires se résument à des petits détails comme ça. Vous pensez que les hommes d'affaires vont dîner avec des escortes, pourquoi? Vous connaissez le pouvoir de la femme? Quand la femme africaine, parce que les blanches connaissent leur pouvoir, quand la femme africaine va connaître son pouvoir et sa valeur, les pète-pètes que je vois là, ça va s'arrêter. Tout ça va s'arrêter. C'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous valons, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas, c'est pour ça qu'on pense qu'on a besoin de faire toutes ces choses-là pour avoir de la valeur. On pense qu'on a besoin de Yves Saint-Laurent sur notre corps pour avoir de la valeur. Moi, ma mère portait les sacs de marque depuis mon enfance, les Yves Saint-Laurent, les Dior. J'ai découvert ça chez ma mère. Pas chez les gens dehors. Pourquoi? Parce que ma mère, c'est une bosseuse. Et merci à elle. Je n'ai jamais vu un homme acheter les chaussures, les sacs venir donner à ma mère. J'ai vu ma mère se battre comme un garçon. Payer ses marchandises, s'habiller. Soyez les modèles de vos enfants. Mais quand la maman est assise ici, elle est sur le Snapchat de Coco Emilia. La fille aussi assise là-bas, elle est sur le Snapchat de je ne sais pas qui d'autre. Ça va donner quoi? Quand ta fille voit que toi-même, une fille qui peut, que tu peux accoucher, ou bien ta petite soeur te blase, que tu trouves que c'est ta petite soeur, tu ne peux pas te valoriser ta vie que tu as eue toi-même. Tu ne peux pas dire à ta fille que ma fille, je ne suis pas peut-être trop loin, je n'ai pas peut-être, mais avec mes difficultés que j'ai eues, voilà, j'ai réussi à me battre quand même. J'ai pu me battre pour arriver ici. Ce n'est pas encore ça. Il faut qu'on se batte pour que toi, tu me dépasses. Si vous parlez avec vos enfants, je ne vois pas pourquoi vos enfants vont écouter les gens dehors. Je ne vois pas pourquoi vos enfants vont aller idolâtrer des gens dehors. Pourquoi ils vont faire ça? Vous croyez que moi, mes enfants ne savent pas que je vends mes photos? Mes enfants sont au courant. Parce que je ne vais pas laisser que quelqu'un dehors vienne leur expliquer ça à sa manière. C'est ma famille, ce sont mes enfants, ils doivent m'aimer comme je suis. Et moi aussi, je les aimerais tels qu'ils vont décider d'être demain. Mais j'explique à mes enfants. Je suis adulte. Ma fille sait qu'elle ne peut pas faire ça tant qu'elle n'est pas adulte. Si demain, elle veut vendre ses photos quand elle sera adulte, c'est son problème. Elle est responsable. C'est sa vie. Moi, je suis là pour la guider. Je suis là pour guider ma fille et mon fils, pour leur montrer la laideur du monde et leur montrer aussi la beauté à travers cette laideur. Leur faire comprendre que le monde est laid, mais toi, tu peux créer de l'espace et créer ta beauté, un espace beau dans toute cette laideur. Tu peux le faire, c'est ton choix. Tu n'es pas obligé de marcher comme eux. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que eux, ils font. Trouve ce qui toi te rend heureuse. Toi te rend heureux. Et bats-toi pour ça. Même si c'est contre tout le monde. Quand ça va donner, tout le monde qui se battait contre toi là, ils vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à te suivre. Soyez des leaders. Éduquez vos enfants pour être des leaders et non pour être des suiveurs. Non pour être des envieux. Chacun. Merci Nadine. Tu n'as pas encore partagé ma mise à partager là. Il est sale. Oh, il est sale. Chacun a la responsabilité de créer son monde. Hier, quelque chose m'est arrivé. Hein. Je vous avais dit ici que je vais vous annoncer une bonne nouvelle dans 2 jours. On a essayé de pirater mon compte Facebook. Mais comme les ancêtres ne dorment pas, je vous ai déjà dit que levez-vous tôt. Oshi Galago Gaga de Fana, Lago 1000 giga. Je vous ai dit, levez-vous tôt. Lago 1000 giga, ici là. Levez-vous tôt. Venez encore essayer de pirater mon compte. Ils ont voulu voler ma page. Nadine, j'attends le partage là. Ils ont voulu voler ma page. C'était très bien ficelé. Faites attention, les gens qui vous écrivent en disant qu'ils sont Facebook, que oh, on veut certifier votre compte. Donne, mets ton mot de passe, mets ton ceci, mets ton cela, ne mettez pas. Ou bien n'importe qui vous écrit comme ça, cliquez sur le logo
pour aller voir si cette page-là existe, si c'est une vraie page. Regardez le nombre d'abonnés sur la page, des commentaires, pour voir si c'est une page qui existe, qui est bien référencée. Et si ce n'est pas une vraie page, vous pouvez signaler à Facebook. Moi, je l'ai fait. Donc, la page, la Facebook va les trouver. J'ai mis mes trucs, hein. J'ai mis mes noms de passe. J'ai mis tout ce qu'ils ont demandé. Ils m'ont répondu qu'après, dans 2 jours, on vous répond. Comme mes ancêtres ne dorment pas parce que je suis connectée à la source. Je suis connectée à mes ancêtres. Donc, quand il y a une alarme, quand ça sonne dans ma tête, ça ne fait que revenir, la pensée ne fait que revenir. L'affaire que tu as fait là, tu es sûr. Le truc là, pourtant au départ j'étais sûr, je suis venue vous annoncer, c'est que bientôt une bonne nouvelle. Mais quand je me suis posée calmement, ça dérangeait dans ma tête, ça dérangeait. Je suis repartie regarder et je me rends compte qu'effectivement la page là, c'est le flocon. La page a été créée à 5 jours. Donc c'est pas Facebook support. Je suis allée modifier mes mots de passe, renforcer ma sécurité, tout. J'ai signalé à Facebook. Voilà, on est après 2 jours. Il n'y a pas la certification, mais ma page est là. Si je n'avais, dans les 2 jours qu'ils demandaient là, c'est le temps que eux, ils remodifient, ils reparamètrent ta page, on t'arrache ça, aura. Levez-vous tôt. Vous avez compris, non? Allez encore chercher. Merci, ma mise à jour, vu que tu as partagé. Oh, merci, Ngepeno. Ta peau est de la couleur de la terre. Tes cheveux défient la gravité. Pas besoin de te décaper au risque de détruire ta santé. Moumbé, ngamende numbole. Moumbé, 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 tout me djoujale. Sois-en fier, connais ton histoire et tu en seras maître. We used to be kings, then we became slaves. No matter the cost, the truth shall be told. Mumbe, ngamende numbole. Mumbe. Bolé. Mumbe. Oh, merci Nadine. Merci pour le talent que tu es pour le Hong Kong et le Cameroun et l'Afrique. Et toute l'Afrique. Voilà, je pense que j'ai fait le tout. Hein. Moi, je ne veux plus faire les longs directs. Je compte sur vous pour continuer les partages après. Pour ceux qui vont venir après, vous avez tous mes coordonnées là. Franchement, moi, si vous attendiez à ce que je parle le bord politique, je vous ai dit que moi, je ne parle plus de ça. Ce qui m'intéresse, c'est la société camerounaise. Quand je vois que mon apport, je peux dire quelque chose qui peut aider la population camerounaise, les familles camerounaises, les enfants camerounais. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est là où il y a le vrai travail. Quand ils piratent une page, surtout une page qui est monétisée, bah c'est pour se faire de l'argent. Ma page est monétisée. Donc, s'ils piratent ma page, si quelqu'un prend ma page, il va changer le compte qui encaisse l'argent. Il va utiliser mes abonnés. Il va vous partager le contenu qu'il veut. Si c'est une entreprise qui est... Si c'est un truc qui veut devenir blogueur ou qui a une entreprise, enfin, je ne sais pas moi, qui fait de la publicité, ils utilisent ça. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, la richesse, c'est vous là, c'est les abonnés. Vous êtes un portefeuille de potentiels acheteurs. C'est pour ça que vous disiez récemment que ne vous laissez pas manipuler par les gens. Que les gens ne vous utilisent pas pour réaliser tous leurs projets sous prétexte que c'est pour le changement. C'est dans ce sens-là que je parlais. Maintenant, ceux qui ont les oreilles pour entendre vont comprendre. Ceux qui ne comprennent pas aussi, tant pis. Peut-être demain, ils comprendront. Ou après-demain, ou alors jamais. Donc, voilà. Prenez soin de vos enfants. Je le dis ici dans tous mes directs. Plus le temps va passer, plus vous allez comprendre pourquoi mes anciens directs, ceux qui sont avec moi depuis, eux, ils savent que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est des choses dont j'ai parlé l'année dernière. Tout ce qui se passe aujourd'hui.
Oh, le Kwa Kanza sera un bon partenaire avec toi car c'est le même registre. Merci, maman. Que les ancêtres t'entendent. Haché! Voilà les vrais featuring. Que les ancêtres t'entendent et que ça s'accomplisse. C'est comme ça, ça est. Voilà. Donc, je disais, ce que je vous parle aujourd'hui sont les choses que je parlais. Ce qui se passe aujourd'hui sont les choses dont je parlais l'année dernière. L'année dernière, la majorité de mes directs tournaient autour des mœurs au Cameroun. Je vous ai parlé de l'alcool, des parents qui sont toujours au bar. Je vous ai parlé du fait que les enfants puissent entrer dans les bars au Cameroun. Je vous ai dit que ça, c'est un problème. Je vous ai parlé de la musique obscène et que le problème de la musique obscène n'est pas qu'elle existe. Il faut tout genre de musique. Le problème est qu'elle est accessible aux enfants à travers les bars. Puisque au Cameroun, il n'y a pas de contrôle sur les décibels. Tout le monde met son volume comme il veut. Les bars se font face comme ça. C'est une rue. Tu passes une rue. Tu as un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Les bars. On permet aux enfants d'acheter l'alcool et la cigarette au Cameroun parce que nous, les parents, on est assis à la maison, on envoie les enfants. Ici, là, ce n'est pas permis aux mineurs d'acheter l'alcool. Ça ne nous empêche pas, nous, les adultes, d'aller bail. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez aller payer vos bières. Parce que laissez ta fille aller au bar. Elle part au bar. Quand elle passe à acheter là, il y a un papa. Un papa qui porte souvent, qui donne à manger à tout le monde là dans le bar. Il va taper ses fesses. Elle va dire que merde, moi aussi, je veux le sac. Que j'ai vu Nathalie quoi avec là. Le père, s'il peut me donner ça. Go et go, go. Vos enfants qu'on laisse entrer dans les bars. Moi, j'ai commencé à m'asseoir dans les bars à 17 ans. C'est même très tard. Il y a d'autres qui commencent à 14 ans. Je ne buvais pas encore l'alcool, mais j'étais assise au bar. Je buvais le jus. Jusqu'à ce que ceux qui boivent l'alcool disent que nous, on ne t'offre plus le jus. Tu vas sauf que boire l'alcool. Si tu ne bois pas l'alcool, tu payes ta consommation toi-même. Je sais que toutes les... Mais dessus, 100 personnes, 60 ou 70 sont entrées comme ça dans l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est accessible. Parce que c'est accessible. Et il n'y a pas de divertissement pour les enfants, il n'y a rien à faire. Je dis bien que ce que je suis en train de parler là, ce sont des sujets dont j'ai parlé l'année dernière et à répétition. Maintenant, vous voyez, parce que ça sort maintenant au grand jour. Parce que chez nous, tant que c'est caché, le problème n'existe pas. Je vous le répète, le Cameroun, c'est le pays des autruches indomptables. Ce ne sont pas des lions. Ce sont des autruches. Parce que ce sont les autruches, quand elles voient un problème arriver, elles enfoncent la tête dans le sol. Et oups, le problème a disparu. Dans leur tête. Parce que ça continue de pourrir, jusqu'à ce que ça sente comme c'est en train de sentir aujourd'hui là. Et les choses ne font que sortir. Il y a quelques mois seulement, je vous disais quoi? Que vous tous les artistes qui ne parlent pas là, les apolitiques là, pas que les artistes d'ailleurs, tout le monde qui veut, il a la politique. Je vous avais dit quoi? Que quand ça va cuire là, nous tous on va lire l'heure. Vous savez que vous allez lire l'heure. Vous tous même qui êtes à politique là, vous allez lire l'heure. Je n'ai pas fini de parler. Voilà ça qui a commencé, non? Voilà ça qui a commencé. Que t'en le bébé?